négatif, très négatif. Donc, pour commencer, pour représenter Haïti, pour faire quelque chose pour la première fois, déjà, c'était quelque chose de grand. C'était l'histoire qu'on a fait pour Haïti. Donc, on a pu créer une équipe de natation. Haïti! Dans les parades de nations à Rio, j'ai pu marcher pour Haïti avec notre robe traditionnelle. Haïti! J'ai vu pour la première fois dans 20 ans, le drapeau haïtien était là dans la piscine olympique à Rio. C'était vraiment magnifique. Pour moi, c'est la première fois que je suis au nord. Donc, j'ai déjà visité Haïti beaucoup de fois, mais Cap Haïtien, c'est la première fois. Avec The International Women of Hope. J'ai pu visiter beaucoup d'écoles, je pense déjà 10 écoles. Bravo! Naomi Grandpierre. Et la nageuse qui a participé aux Jeux Olympiques 2016, qui est passée nous voir, qui est passée nous visiter, n'est-ce pas une belle chose? Oui, madame! Oui, n'est-ce pas un honneur? Oui, madame! Est-ce que vous avez des rêves? Oui. Oui, ok, bon, moi, quand j'avais 10 ans, c'est là que j'ai appris c'était quoi les Jeux Olympiques. Donc, j'ai appris très jeune que les rêves, ce sont quelque chose de précieux. On ne peut pas partager les rêves avec n'importe qui, mais seulement avec les personnes qui sont là pour nous encourager. Donc j'ai partagé ça avec mes parents, mes coachs, mes frères et sœurs, et puis ils m'ont dit, si toi tu penses que tu peux aller aux Jeux Olympiques, on est là pour te supporter. Je veux encourager les enfants de continuer avec l'éducation pour voir de quelle capacité eux aussi peuvent continuer à représenter Haïti, parce que c'est pas seulement dans la natation qu'on peut faire ça, mais il y a beaucoup d'options. Donc moi, je pense que c'est très important qu'on encourage les jeunes, parce que c'est les jeunes qui vont vraiment aider notre pays. J'ai demandé à Naomi de venir parce que je pense qu'avoir une modèle pareille dans la ville et sera une grande influence et pourra être une grande influence pour les jeunes et pour les petits aussi. Ça m'a fait beaucoup de plaisir. Pour devenir un sauveteur, j'ai que en pile dans nous dit ne rêve pas, nous t'aimer aider un monde sauver, nous t'aimer aider sauver des vies. Et Mike. Ça va? Oui, ça va. Oui, comment nous y est? Ok, Naomi, moi t'es nagé avec Mike. Donc, moi là pour me dire, yo ti allo? Allo. En Haïti, pour les piscines, c'est vraiment drôle. Parce qu'on n'a pas vraiment des piscines olympiques de 50 mètres. On a des petits bassins de 18, de 20 mètres, de 13 mètres. Et moi, je m'entraîne dans une piscine de 18 mètres, qui est vachement petit pour un athlète professionnel. Alors, mais ça, j'arrive quand même à me débrouiller pour arriver dans les Jeux Olympiques avec mon petit bassin. Il était jeté là, il est monté qui s'en a pour l'affaire. Même s'il est baissé encore, il a toujours gagné l'air. Ce sont des piscines de maison. Et la seule piscine qui était construite, en fait, avec les normes standards, c'était la piscine du centre sportif de Carrefour, qui respectait les 50 mètres. Et voilà ce qu'il en est. C'est laissé dans un état de délabrement et le séisme du 12 janvier a fini par endommager, disons, la structure adéquate. Maintenant, nous sommes sur le point de rénover cette piscine. Moi, je trouve que c'est fou qu'on est là à la même fois. Oui, c'est fou. Au même endroit, en Haïti. On ne voulait pas que la natation reste seulement à Port-au-Prince dans le centre-ville. On voulait que la natation soit atterrir partout dans le pays. Allez, ensemble. 3, 4, go! Hey, viens de monter pour nous prendre l'air.
va aller à Chouchou Bay et je vais les apprendre comment nager. Puis aussi, c'est la première fois que je vais apprendre des enfants à nager à la plage, parce que normalement, c'est dans les piscines que je vais les apprendre. Donc, ça va être une expérience pour moi, pour eux, mais je pense que ça va être vraiment quelque chose de bon. J'ai besoin de personnes. Ok, et puis, ok, allons-y. Hey! Bravo! Bravo, ça fait? Ok, c'est la première fois dans l'eau? Non? Pourquoi? Pour la première fois déjà, tu as bien fait. Ok, allons-y, on est là. On est une île, mais seulement 1% de la population sait comment nager. Donc, vraiment, les personnes qui noient, c'est vraiment un problème. Okay. C'est parce que pas de monde qui peut faire une formation comment puis nager, si ça fait grand pile monde cap noyé. Mais en plus tout, nous connaissons que nous vivons dans un pays que par haïtien yo gen un mythe dans tête yo perd l'eau pour malheur pas arriver petit yo. Ça fait que grand pile monde commencer sous moi. Au commencement, j'étais vraiment peur, mais après, je me sentais mal à l'aise. Magnifique, t'as pu voir? Il m'a demandé si il pourrait garder mes lunettes. Et c'était mes lunettes préférées, mais il m'a promis qu'il va aller enseigner des autres personnes comment nager avec les lunettes. Toi, tu vas apprendre trois personnes. Toi, tu vas apprendre trois personnes. Toi, tu vas apprendre trois personnes. Donc, tu gardes ça, tu ne les perds pas et puis tu continues à pratiquer. Ok? Donc, vous partagez ça et puis avec les autres personnes aussi. Ok. Merci. Oui. Au revoir. Pas comme ça. Comme ça. Si on se lâche, les vagues vont nous déchirer. Allons-y. J'aimerais avoir une équipe de 4 filles pour faire un relay. Donc j'espère que les prochains Jeux Olympiques, ce n'est pas moi seule, mais avec des autres Haïtiens, qu'on peut être là vraiment en équipe pour nager pour Haïti. Où est-il malheureux, ça qui chire? Où a méprisé pour comprendre qu'il n'y a pas eu? C'est bon de créer, pas de différence parmi nous. C'est un seul loué, pas de différent parmi nous. Malheureux pas chier, nous pas doué, mépriser yo. Nous tous les chrétiens, c'est même ça, nous gagnons. Podium est une production de Radio-Canada Sport.